D'année en année, les gouvernements successifs s'attaquent aux fonctionnaires. Et là, c'est une attaque sans précédent, oui. Parce que M. Macron parle des suppressions de 120 000 postes, mais effectivement, aujourd'hui, on en subit des suppressions de postes. Et il n'y a pas que l'attaque du statut fait qu'aujourd'hui, oui, il faut qu'on prenne conscience que, je parle pour l'hospitalier, l'hôpital est attaqué de toutes parts. Et ça va être dramatique pour les usagers.